Pues muy mal, muy nerviosa y muy mal. Estamos muy nerviosos todos, pero no te voy a decir todo lo que es eso. Yo acabo de bajar, que vivo ahí, ahí en esa terraza, y vivo ahí, me he bajado porque parecía que venían los helicópteros debajo encima de mí. Lo he visto todo y muy mal, pobrecillo, porque es una pena que quemen como queman los campos, como lo queman todo. Dolidos, encima yo no, pero particularmente mi cuñada y mi mujer, pues tienen una finca que se ha quemado. La finca familiar ahí arriba y se ha quemado, entera. Sí, sí, enterita. Así que es lo que hay. No cabe duda que 40 grados aquí lo que está haciendo es dificultar que el fuego se apague. Pero claro, el cambio climático al final tiene que ver, pero en el mundo entero. Y esto que es una zona verde, fresca, en verano, se está poniendo pues como el sur de Badajoz, Córdoba y Sevilla. C'est un été particulièrement compliqué en effet. On a une sécheresse extrêmement importante avec des quantités d'eau qui n'ont pas été assez importantes du coup sur l'hiver et sur le printemps. Un mois de mai particulièrement sec et on a aujourd'hui des températures qui sont particulièrement hautes et nous les vivons aujourd'hui, vous le sentez tous. Voilà donc. C'est un feu qui a pris énormément d'ampleur pendant ces derniers jours. On a réussi à le contenir. On le fait aller là où on veut qu'il aille en respectant nos objectifs de protection des personnes, aucun blessé, que ce soit dans la population ou dans les intervenants, sapeurs-pompiers. Et également, deuxième objectif étant de protéger les maisons. Ces deux objectifs ont été atteints aujourd'hui, mais nous ont consommé beaucoup de personnel, beaucoup de moyens, ce qui fait qu'on a été obligé de faire des choix et d'accompagner le feu dans des zones où il était important pour nous qu'il aille